on vient de passer par l'étape la plus importante, c'est la pression des pneus. Et j'ai appris un truc, c'est qu'en fait, tu mets pas la même pression sur route que quand tu roules sur circuit. Bon, bah après, je suis pas un expert, donc j'étais pas censé savoir que c'est comme ça que ça fonctionnait. Et du coup, donc on m'a expliqué qu'il faut être au carré. Donc là, ils m'ont mis une pression à 2-3 au carré sur l'ensemble de la voiture. Et on va pouvoir tester. J'espère pouvoir tourner un petit peu plus et de redécouvrir des bonnes sensations avec la voiture. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout de suite en individual. Donc moi, quand je suis en individual, en fait, j'ai le mode race, suspension sport. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver ESP. J'ai mis donc ESP off et boîte manu. Parce que bah, le but, quand on tourne sur le circuit avec une voiture, c'est de la découvrir et d'apprendre à la connaître. Et que là, c'est la meilleure occasion pour pouvoir rouler avec. Donc on va pouvoir se faire une belle petite session et j'espère qu'on va se régaler. Thank you.
après petite session, c'est le moment de se restaurer. Petit repas équilibré, bien évidemment, avec une vue juste extraordinaire sur la grande ligne droite. Grand kiff ce matin, très content des réglages de la voiture. La voiture a vraiment bien marché. On a refait les pressions à la troisième session avec un 2-3 au carré. Et c'était vraiment la guerre, je me suis régalé. Tourné pendant 15 minutes à peu près et je me suis tiré la bourre avec une GT3. D'ailleurs, je vais vous mettre la vidéo. Franchement, c'était un grand kiff. Donc maintenant, un peu de repos et on reprendra la session à partir de 14h30. Bon, on vient de terminer le repas. C'était très très bon, on a bien mangé et puis en plus on a pu partager avec d'autres passionnés et notamment deux personnes avec qui je me suis tiré la bourre sur les deux premières sessions. Donc c'était vraiment un grand kiff. Maintenant on va aller digérer, prendre un bon petit café et après direction la piste pour attaquer les deux dernières sessions de la journée. Pendant que je me baladais tranquille pour laisser refroidir la voiture, je découvre toute la gamme AMG. Voiture officielle de la Formule 1 qui est présente avec un GLA45 ici. C63S GL43 GLC43
Yes, on vient de terminer cette session. La pression des pneus était parfaite. Je me suis régalé. C'était vraiment un grand kiff. Yes. On va laisser passer la GT3 qui vient de me bloquer la route. Merci. Bonne pression des pneus, une très très belle session, un petit quart d'heure, ça suffit parce que mine de rien je suis en nage, mais là c'est vraiment le grand kiff de pouvoir rouler, cette voiture est faite pour le circuit.